Zombie Apocalypse. Et salut tout le monde, c'est Chirel. On se retrouve donc pour l'épisode, je ne sais plus, 17, je crois, 17 ou 18, du jeu All You Home. Je vais y arriver. Donc, dans le dernier épisode, on était bloqué, on avait été sur l'autre île, on avait été chercher les plans qui, depuis la mise à jour, avaient changé. Rappelez-vous, les plans, on les avait dès un début de partie quand on était en solo ou en coop. Et du jour au lendemain, les plans, on ne les avait plus. Et quand je vous avais expliqué, le nouveau développeur a mis en place le fait que le système des plans était tout simplement maintenant par le biais des quêtes. D'accord? Autre chose à savoir, Old Home a changé de développeur. Le jeu a été racheté. Tout simplement parce que le développeur de Old Home, depuis des années, qui apparemment ne faisait pas grand chose au niveau des mises à jour et des bugs, etc., a abandonné le jeu. Donc, du jour au lendemain, sans prévenir. Et tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que il a changé son nom, il a changé son label. Il a tout changé et c'est celui qui fait The Infected, donc qui est un jeu qui est assez connu maintenant. Il est à 11 et quelques euros sur Steam. Et il a changé son nom, son label, ce qui fait qu'on ne sait pas que c'est lui qui est derrière. Mais je ne vous dirai pas comment moi je l'ai su. Mais voilà, il y avait énormément d'indices, ne serait-ce que si vous jetez, vous jouez, hein, vous avez joué à Old Home. Où, et vous avez joué après, vous jouez après à Infected, vous allez retrouver comment dire, des crafts, des objets qui étaient énormément communs. Ça me faisait vraiment penser à ça. Et suite à des recherches, effectivement, en fait, le développeur de Old Home ayant abandonné le jeu Old Home, il a changé son nom, son label, et il a fait The Infected. Donc, ce que j'espère, moi, de mon côté, puisque j'ai The Infected aussi, et que je ne savais pas à ce moment-là que c'était lui qui faisait ce jeu, j'espère en tout cas qu'il ne fera pas la même chose pour The Infected. Concernant Old Home, par rapport au Discord, on m'a tout simplement expliqué que le jeu avait été repris par un nouveau dev, donc qui a rajouté du contenu, qui a rajouté des choses. Donc voilà, le jeu n'est pas abandonné, il est toujours en accès anticipé, le nouveau développeur y bosse dessus, donc pas de problème de ce côté-là apparemment. Mais simplement voilà, j'ai un petit peu peur pour The Infected, j'espère en tout cas que le développeur ne fera pas ce qu'il a fait pour Old Home, c'est-à-dire abandonner le jeu en accès anticipé, et sans prévenir personne, et puis qu'on se retrouve avec un jeu jamais fini, quoi. Toujours en mode accès anticipé. Voilà. Donc ça, c'était le début. Je tenais à ce que vous soyez informés. On est beaucoup à jouer à The Infected. Je vous ferai un let's play dessus aussi. Mais le problème étant que, voilà, on espère tous que il fera pas la même chose avec ce jeu-là. Donc, dans la dernière fois, si vous vous rappeliez, donc il y a des choses qui ont changé, hein, je l'ai fait hors live. Donc là, on est dans la base, vous la reconnaissez. Ici, j'ai changé des choses. Je vous avais dit que je rajouterais des plateformes, etc. Donc ici, ce que j'ai fait, j'ai mis un escalier. Ici, j'ai mis mes jardins. À l'étage, je ne crois pas que j'ai avancé grand-chose, pour être honnête avec vous. J'ai pu chercher pourquoi... voilà, j'ai juste mis quelques rambardes. J'ai juste cherché pourquoi on n'arrivait pas la dernière fois à faire fonctionner le workbench pour faire les repères kits. Rappelez, pour ça, je vous invite à aller sur la dernière vidéo de l'épisode précédent. Quand on allait ici dans le workshop, puisqu'il faut faire le workshop et le workbench. Donc, quand on allait ici, on devait faire pour la quête 50 repair kits. Donc, quand on allait ici, on avait beau faire repair kit, repair kit, repair kit. Ça ne fonctionnait pas alors qu'on avait toutes les compos nécessaires. Alors, le problème étant que, voilà, il faut aller de l'électricité. Je l'avais un petit peu dit, j'espère que ce ne sera pas ça. Ben si, c'est ça. Donc en fait, ce que j'ai fait hors live et hors vidéo,
j'ai fait le transformateur qui est ici, le générateur. Donc, pour le faire marcher, il faut ajouter du fuel. Donc, vous inquiétez pas, c'est les canettes de fuel que vous avez. Ce n'est pas l'essence. Ça marche avec, avec les canettes de fuel que vous avez. Vous pouvez ici aussi y mettre de l'essence, comme vous voulez. Mais il faut ça. Ensuite, ce que j'ai rajouté hors live, c'est ici le ciment de mixeur. Le ciment de mixeur, il me permet tout simplement de faire de l'engrais pour pouvoir faire des jardins. Voilà. C'est les seules choses que j'ai fait hors live. Et je vous avais parlé qu'il fallait qu'on aille miner. Je ne voulais pas imposer. Je l'ai fait de mon côté. Donc, j'ai ramené pas mal de fer. Je ne sais plus où je l'ai mis. Je crois que je l'ai mis dans la forge. Mais je l'ai pas mal utilisé. Hein. J'ai fait pas mal de choses avec. Donc, j'avais ramené pas mal de fer. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Au niveau de la quête, là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est effectivement ramener les 50 repères kits à... Alors, je vais me soigner parce que là, je suis pas à fond, ce qui est bizarre. Voilà. Alors, dans mon inventaire, j'ai quoi? Tac, 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 tac. Oui, j'ai ce qu'il faut. Donc, j'ai préparé les 50 repères kits qu'on nous demande dans la quête. Alors, si on va dans notre quête, on nous dit quoi? On nous dit préparer 50 repères kits et apporter-les à Stan au café shop de Kobe Island. Les repères kits doivent être craftés dans le workbench et placés dans le workshop. Voilà. Donc, une fois que vous aurez construit votre workshop et votre workbench, le workshop c'est le bâtiment, le workbench se met à l'intérieur de ce bâtiment. Il faudra que vous fassiez le générateur. Le générateur, ça demande, vous allez pour le faire dans le panel qui est ici. Comme d'habitude. Donc, toc, ici, power generator. Ça vous demande des plaques d'aluminium, des grilles d'aluminium, des vis et des electric parts. Voilà, tout simplement. Et ensuite, pour faire un petit peu plus de champ, pour ne pas être embêté au niveau des glucides, je crois que c'est, ouais, protéines, bref, enfin des légumes, quoi. Le ciment de mixeur, indispensable, donc pareil, des plaques d'alu, des electric parts, des vis et des grilles. Voilà, donc les grilles et tout ça, ça se fait au niveau de la forge. Si je ne me mélange pas les pédales, voilà, vous les avez ici. Pour faire les plaques d'aluminium, ben, tout simplement, il vous faut faire des cobalt alloy, donc avec du cobalt et avec des iron. Et ensuite, vous les transformez en plaques d'aluminium. Et pour les plaques, c'est pareil, il vous faut de l'iron lingot et des cobalt alloy et vous pourrez faire vos grilles. Voilà, tout simplement. Et ensuite, vous faites en priorité, bien sûr, votre générateur pour pouvoir faire vos 50 repères kits, sinon vous ne pourrez pas faire la quête. Et ensuite, eh ben, tout simplement, vous faites votre ciment de mixeur si pour vous, vous en êtes là et si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de jardin. Donc, on doit aller à Kobe Island. Kobe Island, au niveau de la map, nous, on est à Dead Island, Totok, Kobe Island, il est ici. Donc, on n'est pas très loin. Donc, j'ai mis les... j'ai à manger dans mon truc. Yep. J'ai mis, donc, dans le bateau, tout est prêt. Comme ça, on ne perd pas de temps. Hop. Voilà. Alors, j'ai pas pu rattraper le coup. Parce que quand on casse quelque chose, vous savez, on récupère pas les compos. Donc, j'ai pas pu récupérer le coup avec l'escalier là pour descendre directement là. Donc, c'est pas gênant. Hop, voilà. Et puis, si je tombe pas dans la flotte, on va essayer de passer sur le côté. Équilibriste et moi, c'est 4. Est-ce que je peux passer par là? Je vais tomber dans l'eau. Non, c'est bon. Alors.
Donc ici, j'ai mis quoi? J'ai mis donc normalement les 50 repères. J'ai assez d'essence. Hein, j'ai 27 minutes d'essence. On peut mettre 6, voilà, 35. Et puis on va partir pour Koh Bi Island. Voilà. Donc au niveau de la map, que je me rappelle, vous savez que moi et les GPS au secours. Donc moi je suis ici, là, et il faut que j'aille ici. Est-ce que je peux mettre un point? Normalement oui. Voilà. Hop. Et puis à ce moment-là, je vous retrouve dès que je suis arrivée avec le bateau là-bas. Je pense que c'est le plus simple, comme ça évite de perdre du temps à la traversée. Donc à tout de suite pour sur Koh Bi Island. Ok, donc là on s'approche, vous voyez, on est tout près de Koh Bi Island. Il y avait une chose que aussi qui a été rajoutée par le nouveau développeur et que je tenais à vous montrer. Avant, on était obligé au niveau du bateau, quand on voulait voir la map, de sortir, de faire E, de quitter et de regarder notre map. Ça a changé maintenant. Même si vous êtes en train de conduire votre bateau et que vous appuyez sur la touche M, vous avez accès à la map. Et ça, c'est un bon point parce que c'était assez gênant. Donc ça, c'est ce que le nouveau développeur a commencé à mettre en place. Donc merci à lui. Donc on va se rapprocher de Koh Bi Island. Alors c'est la première fois que je pars, vous le savez, je vous l'avais dit, casser votre lit au cas où vous mourrez là-bas, etc., etc. Là, je suis partie sans mon lit. Donc si je meurs sur cette île, je vais repop sur mon lit, mais le bateau sera là. Et pour revenir le chercher, ça risque d'être très compliqué. Va falloir utiliser énormément de trousses de soins parce que l'eau est gelée, donc on frise et c'est pas génial, tip top l'affaire. Donc on va croiser les doigts que je meure pas. Et puis on va aller remettre les 50 repair kits et on va voir ce qui nous attend pour la suite des événements, bien sûr. Donc j'ai ma plateforme, je la vois droit devant. Alors, on va essayer de ne pas se faire tuer. Si je me fais tuer, je vais vraiment avoir la rage. Parce qu'alors là, ça veut dire tout relooter pour pouvoir avoir le bateau à nouveau. Et rappelez-vous, ça demande beaucoup, 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 beaucoup de boulot, donc pour avoir le bateau, donc ça serait rageant. Mais on va essayer de faire en sorte de pas mourir. Quand on mettait les lits, effectivement, on ne mourait pas. Mais là, j'ai pas, je suis partie, j'ai pas fait de lit, je l'ai pas cassé pour le mettre ici. Donc j'espère que je vais pas mourir. Sincèrement, ça mettrait sérieux, ça mettrait les boules, quoi. Donc on va tourner. Donc on va y aller mollo, piano, histoire de pas mourir. Hop. Serait-ce qu'avec un loup, avec un ours, ça fait mourir bêtement, quoi. C'est surtout ça. Alors, moi, je m'arrête quand le devant du bateau se lève. Voilà. Hop. Donc, P, hein. On éteint le bateau. On prend notre arc. Hop. Ok, bon. Bah écoute, on va en profiter pour faire un plein de petites fibres, même si on a pas mal de légumes chez nous. Ça fait pas de mal. Alors, il est dans un coffee shop.
Ah, j'ai pas pris dans le bateau les repères kits, donc hop. Raté. Raté. Eh bien alors, hein, tu veux pas monter? On ne fait pas ce coup-là. Voilà, alors, on va prendre les 50 repères kits qu'on a mis dans le bateau avec nous. Pas un de plus, pas un de moins. Si vous mettez 51, il va bouffer les 51. Hein. Donc, voilà. Donc là, au niveau de la map, je prends des risques là, mais bon. Au niveau de la map, donc on a la ville, il y a vraiment juste une ville ici. Hein. Donc il est automatiquement situé face à nous dans un coffee shop. Donc on a cette flèche. Ok. Donc on va y aller mollo. Coffee shop. On fouillera aussi. Mais déjà, trouver le coffee shop, ça sera pas mal. Il est là. Je pense que c'est ça. Ouais, il est là. Nickel, hein. Pas de hunter. Pas de chat, c'est cool. Allez, on va lui donner les repères kits. Mais dis donc, toi, tu nous en auras fait voir, Stan. Ah, c'est bien Stan qu'on doit les remettre. Je ne dis pas de bêtises, hein. On ne se trompe pas. Qu'est-ce que t'as? Tata, Stan. Oui, c'est ça. Alors, eux, on lui donne les 50 repères. Ok, vous avez complété la quête The Hut maintenant. Alors, on a pris de l'XP. On va regarder s'il n'y a rien là-dedans. Rien là-dedans. Alors, au niveau de la map et des quêtes. Alors, Jacques veut vous aider encore. Il attend de vous dans une hutte. Dans une hutte dans les. Près des cavernes de Trader Island. Ok. Il faut que j'aille à Trader Island maintenant. Alors, ça veut dire. Ils vont nous en faire des voyages là. Trader Island, c'est, vous savez, l'île des traders où il n'y a rien du tout. Donc, il faut qu'en fait, je fasse le chemin retour maintenant et aller ici. Donc. Ok. On va quand même fouiller un peu. Pour voir si on trouve quelques affaires. J'ai pas l'impression. Pourtant, on avait fait passer du temps entre les deux épisodes, hein, puisque j'avais crafté moi tout hors live. Ah, si j'ai pas le fil de la souris qui suit, ça risque de me gêner. Alors, écoutez, on va revenir au bateau. On va pas prendre de risque. Pas l'impression qu'il y ait grand monde, mais bon. Peut-être aller à la pharmacie. On a des clous. Vis. Tout ce qu'on a l'habitude de trouver dans une pharmacie en fait. Bouteille d'eau. Prend. On prend. Attendez. Je ne sais pas pourquoi j'ai un nœud avec mon fil de souris là. Ça me gêne. Alors. Donc il y a bien des ressources quand même dans la ville. Les clottes, ça, on va prendre, mais on s'en fout un peu. Ici, ça en prend. Et si vous faites bien attention, vous allez remarquer qu'il y a des items très semblables à The Infected. Et ça, au début, quand j'ai joué à The Infected, je me suis dit, mais c'est bizarre, ça ressemble énormément.
Il y a énormément d'items identiques. Ça me chatouillait. Et puis effectivement, on me l'a confirmé. Moi, j'ai regardé de mon côté. Et oui, hélas, c'est bien le même dev. Donc, j'espère en tout cas qu'il fera pas la même chose. Oh merde! J'avais pas vu. J'espère sincèrement qu'il fera pas la même chose. Donc, de planter The Infected en cours de développement. Voilà. Je pense que ça serait déjà pas honnête envers la communauté, dans le sens où il l'a déjà fait une première fois avec Old Home. Heureusement que quelqu'un l'a repris, parce que c'était un jeu vraiment super sympa qui en vaut la peine. Où il y a beaucoup de quêtes très intéressantes en mode solo. En mode coop, vous n'avez pas les quêtes, mais il y a de quoi faire, hein. Ça, je vais jeter. Ça, je vais jeter. Donc, j'espère de tout cœur, honnêtement, qu'il fera pas pareil. Donc, s'il m'entend ou s'il voit le live, ben voilà, la commission est faite. J'espère qu'il fera pas la même chose. Parce que sur Steam, il y a énormément de questions qui lui sont posées. Évidemment, il répondait pas, on ne le savait pas. Donc, maintenant, ben écoutez, on le sait. Et moi, personnellement, ça m'inquiète un petit peu pour The Infected. Je veux bien laisser une chance, on dira. Mais j'espère de tout cœur qu'il fera pas ça. Parce que ben, le problème qui va se passer, c'est que il a déjà la communauté d'Oldium, parce qu'il faut pas croire, hein, on est nombreux quand même à y jouer. Plutôt côté américain. Voilà quoi, c'est. Ça n'a pas été très 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 honnête, sa façon de procéder. C'est ça qui est un petit peu dommage. De ne pas avoir tenu sa communauté informée qu'il arrêtait le jeu, que le jeu allait être repris. Et pour ça, il faut être sur le Discord. Donc des fois, n'hésitez pas à aller sur les Discord quand on vous le dit, parce que vous allez avoir des infos. Et ça vaut vraiment le coup. Et personnellement, je n'aurais pas été sur le Discord. Ben, je n'aurais pas su. Voilà. Donc, on n'oublie pas de reprendre notre arc. Enfin, bref, le principal est que le jeu continue, Old Home, de marcher. Que le nouveau développeur tienne compte des bugs qui étaient rencontrés. Je n'ai pas, pour être honnête avec vous, retesté le véhicule. Donc, faudra que je teste, que je voie. À vide, si on rencontre toujours le même problème qu'il y avait avec l'ancien dev, ou si lui, au contraire, a corrigé ce problème. Mais en tout cas, il y bosse dessus et ça fait plaisir. C'est vraiment un jeu super sympa. Vous avez des quêtes, vous avez tout un tas de choses à faire. Alors certes, il n'est pas en français, mais il est assez simple à comprendre, hein, quand même. Hein. Voilà, vous n'avez pas non plus besoin d'avoir fait des grandes études en anglais. On retrouve à peu près les mêmes termes que dans tous les jeux de survie. Et au niveau des crafts, on retrouve aussi le même système dans The Infected, sauf que dans Old Home, sur les tables, tout simplement, quand vous mettez sur l'atelier, vous savez les crafts que vous pouvez faire. Il y a moins de pertes de temps que dans The Infected. Et vous savez pas trop, oui, d'accord, j'ai cette table, mais j'y fais quoi dedans? Voilà, là, vous n'avez pas le problème parce que tout simplement. C'est marqué dessus quand vous avez tout ce qu'il faut pour crafter la table ou le workbench avancé. Vous savez dedans ce que vous pouvez faire. Donc ça, c'est assez, je trouve dans ce jeu-là, assez sympa. Bon, en tout cas, ça a été un jeu que j'ai beaucoup apprécié, malgré quelques bugs qu'il y avait. Maintenant, on comprend mieux. Mais non, c'est un jeu assez sympa. Par contre, c'est un jeu où il faut être à l'affût, hein, je vous l'ai déjà dit. De tous les bruits, parce qu'il y a les loups, il n'y a pas que les hunters, il y a les loups, il y a il y a énormément de choses qui peuvent vous tuer. Les loups, les lions, les alligators, bon,
Je veux dire, vous avez le temps le temps qu'il arrive sur vous, vous avez le temps d'aller faire vos courses, de vous doucher, de regarder un film hein, qui n'est toujours pas arrivé. Donc, c'est pas les plus mauvais. Comme d'ailleurs dans The Infected. Mais bon. Voilà, en tout cas, je vous ai fait passer l'info. The Infected, de mon côté, je trouve que c'est un jeu très bien. Je ferai un let's play dessus. Là, je suis encore. J'y joue dessus sur Twitch. Hein, donc, si vous voulez venir sur Twitch, pas de soucis, vous pouvez. J'y suis dessus. J'ai d'abord fait une partie complètement pourrie et ratée où je suis morte jusqu'au minimum qu'on puisse avoir de vie, c'est-à-dire 50. 50 sur 50. Je n'ai pas pu. On ne peut pas descendre plus bas. Ici, dans Old Home, on peut remonter sa vie en trouvant, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, des espèces de plats qui ressemblent à des pizzas. Voilà, donc, et là, ça vous redonne un point de vie. Donc, je peux vous dire que quand vous êtes bien descendu pour remonter, ça donne qu'un point à chaque fois. C'est compliqué. Alors là, je vais jeter quoi? Ben, je vais jeter le sel. Je vais prendre le verre. Hop. Ça, je garde pas. Par contre, dans The Infected, mis à part d'avoir la cuisinière, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, d'avoir la cuisinière améliorée, je crois pas qu'il y ait moyen de remonter sa vie. Je pense pas. Mais ça, on verra au moment du let's play de. De The Infected. Allez, on continue à fouiller. On prend de l'huile. Hop, ça peut aider. Ça, ici, on jette. Ça permet aux objets de repop. Hop, ça, je jette. Ça, je prends. Alors, évidemment, plus on avance dans le jeu, plus ça devient compliqué parce que bah, tout est important. Au début, ben, on vend assez facilement la farine, nanana, mais plus on avance dans le jeu, ben, plus tous les items sont importants. Donc, après, pour avoir l'hélicoptère, puisqu'on a la voiture en premier, ensuite on a le bateau, et ensuite on a un hélico. Donc, à savoir si l'hélico est plus stable, on n'est pas à l'hélico, parce que vu le prix de l'hélico, on l'avait vu ensemble dans un des épisodes, je ne sais plus lequel. Mais vu le prix de l'hélico, c'est pas pour demain. Voilà. C'est pas pour demain du tout. Donc on va fouiner un petit peu cette ville hein, quand même. Parce que rappelez-vous, les Electric Parts, elles ne courent pas les rues. Donc si on peut trouver des choses, ça serait sympatoche. Si, peut-être. Donc, je vous rappelle qu'à partir de janvier, le fonctionnement de la chaîne va changer. Je vous ferai une vidéo là-dessus, vous inquiétez pas pour vous expliquer. Je vais changer complètement mon mode de fonctionnement, puisqu'avant, je n'étais que sur Twitch. Ma chaîne YouTube n'était qu'une chaîne, je dirais, secondaire. Ouais, secondaire. Voilà, ça je vais jeter, ça je prends. On va laisser là. N'était que secondaire, hein, elle me servait à reposter les lives. Donc ce qui faisait des énormes contenus au niveau vidéo, au niveau temps. Donc tout va être remanié à partir de janvier. Les choses vont changer. Donc ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Là, je ne suis pas en live, donc c'est en vidéo. Donc, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Sur Twitch, vous me verrez jouer à des jeux, soit que je vous ai présenté en let's play découverte ou autre, ou à d'autres jeux que même je ne vous ai pas encore présentés. Voilà. Et puis, vous pourrez papoter directement avec la bête, hein, c'est-à-dire avec moi. Sachant que Twitch, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a qui m'ont dit, mais je connais pas, c'est juste ben, une plateforme où de nombreux streamers de YouTube sont présents. Donc, c'est assez sympa.
Il y a une assez bonne ambiance. Puis c'est beaucoup plus sympa, c'est vrai, en chat. Au moins. Oh merde. Pardon, et je fais des bêtises. Je vais arriver à clapser dans cette partie. Bon, ça, on peut rien prendre. Non. Poulet, on va le jeter. Ici. Ils sont bien planqués, hein, la vache. Hop. On va se soigner. Donc, veillez au grain. Je vous ferai une vidéo, je pense, fin d'année, voire début d'année. Pour vous dire comment ça va fonctionner maintenant. Bon, c'est pas non plus un énorme, énorme, énorme changement, mais il y en aura un. Donc, pour ça, ben, il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous verrez les jeux que je vais présenter, parce que je vais beaucoup plus faire de vidéos, sauf certains jeux qui seront en let's play, en live, de temps en temps. Et puis ben la chaîne YouTube si vous voulez me retrouver en live. Voilà. Donc, mais ça, on reverra ça, je vous ferai une vidéo annonce. Et puis vous serez tenu au courant. Je vais encore m'en taper un là, non? Hop, hop, hop. Il n'y a que dalle, hein. J'ai surtout peur de mourir et de perdre mon bateau. C'est une horreur. C'est un stress. Un stress de plus. En tout cas, si vous adhérez à The Infected, sachez que c'est le même style de jeu. Sauf que ce n'est pas des zombies, c'est des hunters style subsistance. Les trois premiers jours, vous êtes tranquille pour ceux qui n'auraient pas vu le let's play depuis le début. Après, vous commencez à avoir les hunters qui apparaissent dans les villes. Et donc au début, ben, hein, vous êtes cul nu, comme on dit. Vous allez devoir fouiller les villes. Vous avez 3 jours. Mettre votre base, vous avez envie de la mettre. Et puis au bout de 3 jours, les hunters vont commencer à prendre possession des villes. Donc là où je suis là. Et donc c'est des îles. Hein, y a beaucoup d'îles. Vous allez devoir ben, survivre un maximum. Tout en sachant que dès le début, vous aurez, si vous n'avez pas l'hunter, en tout cas, vous aurez les ours, les loups, vous aurez des cochons, qui eux sont plutôt gentils, on dira. Carottes. Voilà. Vous pourrez donc faire des élevages d'animaux dans celui-ci. Je ne sais pas comment ça va se passer dans The Infected, je sais que c'est demandé. Mais là, vous pouvez élever des cochons, des vaches, des poules, je crois. Ouais, des poules. Et donc, ça vous donnera de la nourriture à domicile. Vous pouvez faire votre propre jardin, comme vous l'avez vu, votre base. Et après, au bout du 10e, 15e jour, ce sont les lions et les crocos qui popent. Voilà. Donc, il y a aussi tout un système de vêtements, d'armure. Donc, il y avait énormément de points communs. Par contre, quand il fait orage, il n'y a pas moyen de baisser le son, tout simplement parce que le moindre bruit qu'on peut entendre, que ce soit les pas de des soldats qui tournent, qui font des rondes, hein, c'est des milices. Vous faites partie de la résistance, vous luttez contre ça avec ceux qui vous donnent les quêtes là. Donc le problème étant que si vous n'entendez pas les pas des milices, eh bien, eux vont pas vous rater par contre. Hein. Alors eux, ils ont des flingues, ils ont des choses, vous pouvez aussi vous les faire. Il y a une table pour se faire les armes. Donc après, vous avez des gilets, etc. On en avait fait un. Je trouve pas que ça donne plus de résistance que ça. Il s'est très très vite usé. Je l'ai d'ailleurs encore dessus, mais il faudra en refaire un. Mais par contre, ça demande énormément de compos. Voilà, après, ben, c'est toujours un petit peu à la The Infected. Hein. Il faut énormément crafter, se balader dans les villes, crafter un maximum d'objets dans les villes pour pouvoir ben, progresser dans le jeu.
Donc là, on a l'orage hein, comme dans The Infected. Et Hunter là, sale bête. Elle est là. Il faut vraiment être à l'affût du moindre bruit. Je parle pas trop durant l'orage parce que je sais pas si vous m'entendez bien avec l'orage. Pourtant j'ai baissé le volume, mais comme je vous dis, je peux pas trop le baisser, sinon j'entendrai pas les pas, etc. Et je pourrais pas m'accroupir pour me planquer. Ce qui nous voit à travers les fenêtres, hein, donc faire gaffe à ça, pas être trop près des fenêtres. Durant la nuit, effectivement, c'est comme dans un Infected, vous y voyez que dalle, à part si vous avez le casque qui est exactement le même que dans un Infected avec la lumière. La torche éclaire aussi, mais je vous déconseillerais la nuit de vous balader. Merde, échappe. Quick save. Exit game. Alors qu'est-ce qui se passe là? J'ai le bug de l'arc. Donc je ne peux plus rien faire. Donc je vais relancer le jeu. On se retrouve tout de suite. Ok, j'ai couru de façon à me soigner très vite. Comme je vous ai dit, si je meurs, je suis dans la panade. Hop. Alors, je pense que le mieux, c'est qu'on va pas traîner. On va directement retourner au bateau. J'ai pas envie de mourir là et laisser mon bateau. Hein? Non, prochain coup, je prendrai le lit. Et donc, on va aller sur l'île des traders. Hop, on va pas traîner. Alors, l'île des traders, vous voyez, maintenant, on peut afficher la map. Donc, c'est pratique. L'île des traders étant ici. Donc on va mettre un point. Voilà. Donc on a vraiment tout le tour à faire. Je vous retrouve donc une fois que le tour est fait. Parce que ça risque d'être un petit peu long pour vous le temps que j'y aille. Donc je pense que c'est mieux qu'on se retrouve une fois que je suis arrivée là-bas. Allez, à tout de suite. Ok, donc le chemin était long. Comme vous voyez, j'arrive de nuit. Alors ça, c'est pas le top du top. Mais bon, je n'ai pas mon lit. Donc, il nous attendrait dans une des huttes, des huttes. Sachant que je vous avais fait visiter ici, ça s'appelle l'île des traders. Mais en fait, c'est tout à fait abandonné. On avait pu loot différentes affaires. Mais alors, où c'est qu'il est, qu est? Je n'en sais fiche trop rien. Peut-être que les loots en repop. Non. Il n'y a rien. Et il nous attendrait ici. Le chemin a été très très long. Hein. Je suis partie de jour. Ah, le voilà. Alors, salut Jack. Alors, merci d'être venu jusqu'à moi. C'est ici que, avant, il y avait les traders. C'était une place centrale où il y avait une communauté où toutes les îles faisaient leur commerce. Après l'attaque faite par la milice, tout a été abandonné et la milice a pris possession de ce petit village au centre de l'île. J'aimerais que tu puisses restaurer cela dans l'île et fixer toutes les communications. Mais j'aimerais te dire qu'il y a pas mal de gardes qui tournent autour de la tour. Ok.
Il faut que je tue 5 gardes. Alors, le problème étant qu'il fait nuit. On va relire la quête. Localiser et tuer 5 gardes sur l'île de Trader Island. Vous pouvez trouver un village au centre de l'île. D'accord, donc au centre de l'île, il y a donc une ville. On y voit quand même à peu près. On va faire le tour ici. Et je pense qu'il va falloir s'enfoncer dans les terres. Donc là, ici, normalement, il n'y a plus rien. On avait tout pris. C'était dans les tout premiers épisodes quand je vous avais montré toutes les îles qui étaient disponibles dans le jeu. Je crois qu'on avait tout piqué hein, déjà. Alors ici, on peut voir bien comme il faut l'île avec la neige. Donc au niveau de l'île, si je regarde, est-ce qu'on voit une ville? Je ne pense pas. L'île des traders, elle est là. C'est vraiment tout petit coin. Hein. Donc je pense que ça va être à pouvoir tourner et virer. C'est vrai que la nuit. J'espère ne pas encore avoir le bug de l'arc comme on a eu tout à l'heure. Alors, si vous avez ce bug que vous voyez que l'arc ne répond plus, qu'il est coincé, n'hésitez pas à faire une quick save vite fait et à quitter le jeu quoi. Alors je suppose qu'il doit pas y avoir que des hunters là-dedans. Je suppose qu'il y a aussi tout ce qui est loup et j'ai pas mon lit franchement je vois une éolienne hein. Oh merde elle est où elle c'est pour ça que je préfère attendre le jour pour y aller sinon je les vois absolument pas dans la nuit j'ai bien un casque mais à la limite de rendre l'âme j'en ai pas fait un autre. On n'y voit vraiment rien. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est. Je peux pas dormir dans le bateau, hélas. Je pourrais mettre. Il y a des fenêtres un petit peu partout. Parce qu'effectivement, hein, ils font des patrouilles, hein, donc il faut essayer de se trouver une planque le temps que le jour se lève. Jack est là, peut-être que je pourrais. Jack, tu peux pas te pousser, hein, non, il veut pas. Je vais m'accroupir là. Je vais attendre que le jour se lève. Je vais faire un petit peu le tri, maintenir ma santé. Et puis disons qu'on se retrouve une fois que le jour est levé et en croisant les doigts que je ne me fasse pas tuer du fait que j'ai pas mon lit. J'aurais pu aller au bateau, par contre poser pas mal d'affaires. Je vais faire ça. Je vais aller au bateau, poser pas mal de trucs. Je pense pas croiser. On y voit assez bien là. J'ai foutu mon bateau. J'ai posé des trucs dans le bateau. Ça évite d'être encombré. Je vais mettre un peu maximum. Sur le chemin, je me suis arrêtée parce que je n'avais pas assez de fuel. Alors faites bien attention d'avoir assez de fuel pour votre trajet. Hein. C'est parce que pareil, si vous tombez en panne d'essence,
vu qu'il y a une autosave, le problème étant que ben, vous serez en rade au milieu de la flotte, hein, vous aurez plus qu'à attendre la mort, et puis vous aurez perdu votre bateau. Donc pensez à tout ça quand vous partez, de bien avoir assez de gasoline. Hein. Parce que là, on a fait un sacré bout de chemin. Hein. Moi, ça m'a pris un sacré temps là pour venir. On est parti, il faisait jour. Je suis partie, il faisait jour. J'arrive, il fait nuit. Donc, ouais, ça a été un long chemin. Parce que je vais pouvoir tout rentrer. Oui, parce qu'après, je peux mettre aussi. On a ce rangement là dans le bateau, mais on a aussi ici qui ne demande pas de feu. Donc, on peut le foutre là-dedans. Hop. 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 Papa, mais d'où tu me tues, toi? Non, 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 non. Putain, 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 putain. C'est au moment où je prends pas, évidemment, à mon lit, hein. C'est affolant, hein. On va soigner. La vache! Elle est où cette garce? Vous n'avez pas entendu arriver. Est-ce que ça compte? J'en ai tué un. Est-ce que ça compte? Non. C'est vraiment dans la tour. La vache. Il y en a une autre là-bas. Waouh, ouais, mais elles sont deux, mais c'est fou, j'ai pas pris mon lit, non! J'ai pas pris mon lit, foutez-moi la paix, bon sang de bonsoir! Heureusement que j'ai des soins. Si on peut arriver à se planquer dans un truc là, ce serait pas mal. Quoique le jour se lève. Là-bas, le jour se lève. Alors, mais oh! Je sais pas si on arrive à la fin du jeu, mais ça commence à être corsé l'affaire là. On va foncer. Bien entendu, faire gaffe au loup. Tour. Ah oui, d'accord. Ok. Deux sur cinq. Mais j'ai pris chat.
ça veut dire qu'on arrive à la fin du gameplay, parce que je trouve qu'ils sont virulents là. J'entends. Oh merde! Ok, on a un lion là-haut. Oh, la vache! Ouais, tu peux me donner mes tics, hein. Ok. Waouh! Là, je m'attendais pas à ça du tout. Gasoline, hop, on aura besoin. J'ai juste à tuer 5 gardes apparemment. Je vais peut-être changer mon arc, hein, parce que là, celui-là, il commence à être un peu... voilà. Piano, piano. Ils ont l'air très nerveux, hein. La vache. Je m'attends. Mais alors, pas du tout à ça, hein. Je suis pas allée aussi loin, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Quand j'ai commencé le let's play, il y a quelques temps maintenant... Il est quand même assez long à faire comme jeu. Là, je trouve que ça, d'un seul coup, tout ça accélère très vite. Et franchement, ça pique, hein. Ça pique, ça pique. Alors, il faut qu'on en tue encore un seul. Ok. Rien ne nous empêche de fouiller. Donc, faut qu'on retourne voir l'autre. Je prends un petit peu de risque, hein, là. Honnêtement. Hein. Vous devez être là, mais barre-toi, va-t'en vite, cherche pas le bâton pour te faire battre. Bon, je vous rappelle aussi qu'on a besoin de certaines choses qu'on a du mal à trouver, hein, les electric parts, tout ça. Peut-être qu'ici, pas besoin, t'es colle. T'as l'étage, la ville n'est pas super grande, hein, donc... Hop, des flèches, ça on jette. Mais la vache, ils sont mauvais ici, hein. Ça, j'en ai besoin par contre. Ah, je vais jeter. Qu'est-ce que j'ai jeté? Ça. Ça. On fait gaffe. Est-ce qu'il n'y avait que 5 gardes? C'est la question. Non, il y en a sur les plages aussi, donc ils sont pas que 5. Ça, on s'en fout. Ok,
Mechanical parts. Prendre. Ah ouais, je suis bluffé là. Ils font très mal. Hein. Ils sont équipés. Vous êtes en slip et eux, ils sont équipés comme des. Ils ont les gros guns, ils ont les grosses combinaisons de protection. Nous, avec nos petites fibres. Mais on a pas mal de soins, ça sauve. Un repère kit. Alors, écoutez, je vais jeter ça. Repère kit, on sait les faire maintenant, mais bon. Autant, si on peut les récupérer, le faire. Hop, alors ça ici c'est fouillé. Le problème étant qu'avec mon GPS, je ne sais plus comment je vais retrouver. Si la porte est ouverte, c'est jamais bon signe. Faites gaffe quand les portes sont ouvertes. Hop, tant pis. Je pense pas que de toute façon on aura besoin de revenir là. Je sais pas, je sens la fin. On est arrivé à bien remonter les. Enfin, à faire les quêtes. Et à contrer la cette minis. Donc j'ai bien peur qu'on arrive au bout. Bien qu'il y ait encore pas mal de choses à construire. Donc après, ce sera, si on a fini les quêtes, ce sera de la construction pour voir à peu près tout ce que le jeu vous propose. Et puis voilà, on aura fait le tour. C'est vraiment un tout petit bled en fait là, contrairement à certaines villes qu'on a. On a visité, là c'est un petit bled. Je vais jeter ça. Je vais prendre ça parce que ça c'est utile dans la base. On le sait. On va se mettre bien, on va boire un coup. Deux coups même. On va se manger une boîte. On va manger un truc. Ici. Il va falloir qu'on se prenne des palmiers parce qu'on est en manque de. On n'a plus de glucides sur nous. Là, on a tout fait, mis à part ici. On s'en fout. On s'en fout. Rien d'extra. Le sel, on s'en fout. Alors. Pas le bug. Hein. Pas le bug. Si le bug. Oh non. Ouais, j'ai le bug. C'est assez pénible ce bug de l'arc là. Non, ça y est, c'est sorti. Bah, je crois qu'on a tout fouillé. Là, le but c'est de revenir vers la plage avec un lion ici. Alligator.
Attention sur le chemin, attention à la stamina. Un hunter, deux hunters. On va devoir se les faire, hein. Ils sont deux. On voit pas d'autres. Je fais gaffe à elle, hein. Ils sont beaucoup, hein. Ils sont beaucoup. Allez, ma vue. On va se soigner. J'aurais jamais autant utilisé de soins dans ma partie. Où est-ce qu'est Jack? Parce que je l'aime bien, mais je crois qu'il est là. Ok. Ok, c'est ok. Tu es vraiment un pro. J'espère qu'on se reverra un jour. Maintenant, les gardes, je vais commencer à pouvoir réparer l'île. Il faudra qu'on lui ramène 20 lingots de titane et 10 lingots. Oh là là. L'île, oh merde, close. D'où tu me tires? D'où tu me tires? D'où tu me tires? Vache! Hey, il faut vous calmer les gaziers là. Ouais, la prochaine quête va être chaude. Faut lui ramener 20 plaques. Voilà, faut que j'arrive à. J'ai pas fait close, donc j'allais lui reparler. Je ne sais pas du tout où est le Lycos qui a essayé de me buter. Une qui tourne autour de mon bateau là-bas. Waouh! Si je m'accroupis là, ils ne me voient pas. Accroupis, ils ne me voient pas. Si. Alors, si je parle à Jack, là, eux. Ok. Donc, au niveau des quêtes. Alors, il va falloir qu'on ramène à Jack 20 lingots de titane et 10 plaques d'aluminium. Il nous attendra ici dans la hutte de Trader Island. Eh bien, franchement, honnêtement, là, dans cet épisode, c'est chaud de sécher chaud. Là, franchement, je n'ai jamais autant utilisé de soins. Vous m'avez vu jouer. Jamais autant utilisé de soins. Alors, est-ce que c'est parce qu'on arrive près de la fin de la quête qu'on est en train de gagner contre ce Minis? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est pas bon. Donc là, le but, ça va être de retourner au bateau. Et vite se carapater pour revenir à la base. Alors, sachant que ma base, elle est ici. Je vais mettre un point. Voilà. Donc, faut que je reparte là. Que je revienne à ma base. Que je fasse ça. Bon, bien sûr, je le ferai dans le prochain épisode. Je vais quand même prendre le bateau avec vous. Que si je meurs, vous le voyez. Et là, j'aurai les boules. Là, il n'y a pas de. Non, on se casse.
Pas d'hunter. S'il y en a un là-bas. Avec un peu de bol, il va pas nous voir. Ils sont deux. J'en ai pas un derrière. Il tourne autour du bateau. Hein. Il surveille le bateau. Alors quand ils sont deux, il faut vraiment pas les approcher. Parce que là, il vous nique. Hein. Complet. Peut-être me faire celui-là avec un peu de bol. Ouais, son pote, non, il repart. On va pas prendre de risque. Hein. Par contre, son copain l'a mis. Un de moins. Ok. On prend tout et on se casse de cette île. S'il me tire pas dessus, l'autre. Évidemment, j'ai avoir du mal à monter sur mon bateau. Mais non. It's not possible that. Hop, voilà. Et on se casse. On démarre. Allez, go, hop. P, on avance. Et full. Waouh, eh ben ça a été chaud. Hein. Honnêtement, là sur l'île, quand on était venu, si vous vous rappelez au tout début que je vous avais montré un petit peu les îles au départ qu'il y avait, on avait fait une petite visite guidée à la Chirelle, hein, mais vous aviez vu, il n'y avait pas un seul hunter. Hein. Et là, du fait qu'il protège cette île, parce qu'apparemment, je ne sais pas trop ce qui s'y passe, mais... on n'est pas passé loin de la mort. Hein. Donc là, je peux vous dire une chose, c'est qu'au prochain épisode, parce que là, on en restera là, je vais retourner à la base. Je vais déposer, évidemment, tout le contenu que j'ai dans l'inventaire, comme dans le coffre, comme partout. Et je vous retrouverai au prochain épisode où on préparera, où je le ferai hors live, ou avec vous, on verra. On préparera ce qu'il nous a demandé. Il va falloir y retourner. Aïe, ça va piquer tout ça, hein. Je crois bien que on n'est pas loin de la fin des quêtes, donc là la milice se rend compte qu'on a le dessus, et bah ouais, hein, c'est ça d'être des bestes, hein. On a le dessus, donc ils nous ont repéré, ils savent qu'on est là, bon évidemment ils attaquent pas les PNJ qui nous aident, hein. C'est notre peau à nous qui veulent, pas les autres, hein, même si les autres sont avec nous. Mais là, Franco, ça a été du lourd. Hein. J'ai pris cher et évidemment, j'avais pas pris lit. Par contre, prochain coup, je prends le lit sans problème parce que j'avais vraiment peur de perdre le bateau. Vraiment très très peur de perdre le bateau. Et là, sans bateau, après, c'est la galère de devoir looter, crafter, revendre, tatati, tatata, jusqu'à au moins avoir pour pouvoir acheter la barque. Et puis après, voilà, pouvoir refaire le bateau, ça demande du temps. Donc ça aurait été dommage, quoi. Donc bon, ça va. On a survécu. On n'est pas mort. Heureusement qu'on avait des soins. On retourne donc à la base. Bah, on aura quand même fait pas mal de choses. Je vous aurais montré donc pourquoi le workbench et le workshop ne fonctionnaient pas. Après, il y a encore l'électricité, hein, qu'on aura à mettre. La cuisinière qui prépare des plats beaucoup plus sophistiqués et qui rendent beaucoup plus de vie. On pourra se fabriquer aussi les pizzas, hein, qui redonnent de la vie. Tout ça. Mais bon, ça c'est avec l'électricité, c'est pas pour tout de suite, mais
là déjà ça commence à piquer et sérieusement là ça m'a vraiment stressé. Et tout ça parce que tout simplement j'avais pas le plumard avec moi, j'avais pas le lit. Et c'était la hantise de perdre le bateau. Franchement, je cache avec vous, je dis mon Dieu, mais si le bateau part de l'autre côté, j'en ai encore pour des heures et des heures à aller crafter pour pouvoir me racheter cette maudite barque et puis me refaire le bateau, quoi. Donc, ouais, ça a été un gros stress, gros stress pour moi. Donc, je pense que derrière votre écran, vous devez bien vous marrer, vous allez bien vous marrer, vous moquer de moi, hein, comme d'habitude. Et puis, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on en reste là au niveau de cet épisode, en tout cas. On aura vu qu'il faut le générateur pour faire marquer le workshop et pour faire marcher le workshop et le workbench. On aura vu que j'avais fait du ciment pour pouvoir faire des plantations. Parce qu'au niveau des protéines, les cactus, une fois qu'ils sont coupés, ben ils repoussent pas. Donc c'est compliqué. Et donc d'où l'intérêt de vous faire plusieurs jardins et de planter effectivement des graines. Et ensuite, ben, faire l'émission, quoi. Mais là, je vous jure encore, hein, vous verriez ma tête derrière l'écran. Hein. J'étais vraiment comme super surprise, comme une con, quoi, en fait. Je dis, mais putain, mais ils sont virulents, là. D'habitude, ils ne le sont pas autant. Bon, effectivement, je pense que. Je sais pas, peut-être que je dis une bêtise, peut-être qu'on est loin de la fin du jeu. Mais là, je les ai trouvés vachement chauds, quoi. Donc, sur ce, moi, je vais rentrer à la base avec le bateau. Le bateau, de toute façon, n'a pas de problème de bug ou quoi que ce soit. Il marche très très bien, contrairement à la voiture. À moins que le tir ait été rectifié. Ça, je peux pas vous dire. J'ai la voiture, moi, à la base, mais je m'en sers pas. Faites-moi des retours si vous avez encore des problèmes, que vous avez démarré le jeu. Je sais que vous êtes pas mal à me suivre au niveau de Hold Your Home parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui le font. Il a été fait énormément à sa sortie et puis abandonné à cause des bugs, etc. Donc là, il y a pas mal de bugs qui ont été rectifiés au niveau de la voiture. Je ne peux pas vous dire si ça a été le cas, vu que je ne l'utilise pas, en tout cas au niveau du bateau. Il n'y a aucun problème. On a l'hélicoptère aussi à faire. Donc on verra hein, si on pousse le let's play aussi loin ou si on s'arrête au final des quêtes. Hein. On verra ça. En tout cas, là, on arrive à la base. Je vais me garer. Enfin, tenter hein, de me garer. Vous me connaissez maintenant. Hein. C'est plutôt je tente plutôt que j'y arrive. Alors, on arrive. Voilà, puis je vous laisserai là quand je serai garé. Quand le bateau sera à bon port. On va diminuer la vitesse. Voilà, en demi. Alors, pour diminuer la vitesse, vous le voyez en gauche là, il faut avec le clavier numérique pour être en full en vitesse, c'est le 8. Et plus vous appuyez sur le 8, vous allez passer en full. Un coup, c'est un demi-speed, hein, vous allez comme je vais là. Après, vous avez un quart speed, un petit peu plus vite. Et après, full, c'est pleine vitesse. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vais encore super bien me garer, je sens. J'ai pas de rétro. À la limite, hein, on va faire. J'ai tout cassé. Comment se fait-ce que je ne tourne pas? Mais pas des masses, hein.
cherche surtout mon point d'attache. Là, je le verrai mieux. Voilà. Les manœuvres à la Chirelle. Hein. Au secours. Je suis en spin encore ou non? Mangez-le. Voilà. Mais écoutez, j'espère en tout cas que c'est pas grave, on fera un plouf, on prendra l'eau et on montera par le devant. Je suis full au niveau de l'inventaire. Est-ce que je peux passer par là? Non, je plouffe. C'est pas grave, je plouffe. Ok. Donc là, j'ai pas d'hunter ici. Au niveau de la voiture, donc vous voyez, elle est là. Il y en a plusieurs de différentes, mais bon, moi je m'en sers pas. Hop, on va rentrer dans notre base. Voilà, donc là je vais, moi hors cam, pardon, j'ai la voix qui se casse, hors cam je vais vider le contenu bateau, je vais vider mon inventaire, et prochain coup on se retrouve pour faire ensemble les plaques et les lingots qu'on doit ramener, ou je les ferai peut-être moi de mon côté, comme ça ce sera prêt à être ramené, ou dites-moi si vous préférez que je les fasse avec vous, comme ça vous voyez comment on fait, mais enfin je pense que vous n'êtes pas bêtes. Vous avez vu où on les fait, qu'est-ce qu'il faut, je pense que vous devriez y arriver, mais tenez-moi au courant. Donc il faudra lui ramener, on le voit en bas à gauche, donc 20 lingots de titane et 10 plaques d'aluminium. Les lingots de titane, je vais faire une quick save, hop, voilà, ça le marque là, saving. Les lingots de titane, je vous le réexplique, ils se font ici dans la forge. D'accord. Ça, c'est de l'aluminium, magnésium. J'espère que j'ai du titane, copper, gold, cobalt. Je regarderai ça, le titane. Hop. Est-ce que c'est un truc que j'ai pas trouvé? Ce qui serait étonnant quand même. Du copper, du magnésium. De la clé, du col, du cobalt, aluminium. Faudra que je regarde si j'ai. Parce qu'il faudrait pas qu'on soit obligé d'aller sur une autre île pour miner du titane. Donc je regarderai ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On aura quand même pas mal avancé. Voilà ce qui était en attente. Merci à ceux qui suivent la série. Il faudra que je récolte aussi tout ce que j'ai à l'extérieur pour que ça fasse de la nourriture. Mais pour l'instant, je vais vider tout ça. Je vous fais plein de bibi, plein de zouzous. Je me remets à fond. Et puis, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Bye bye. Prenez soin de vous. Attention. Bye bye.